descends tout de suite. Ah. Mais qui est-ce qu'il est là? Ah, voilà. Il va s'enfuir. T'es à moi. Venez, mes amis. Qu'est-ce qu'il est pas assez rapide? Quoi? Où est-il passé? Abandonne! Là-bas! Là-bas, c'est lui! Là-bas! Capturez-le, ce chien! Peut-être non, je le vois! Il est là! Il est agile, c'est indéniable. J'ai déjà vu ce qu'il fait là-bas. Il est trop rapide. Là-bas. Allez, attrapez-le. Encore un qui se rend à une autre. T'inquiète pas. Je suis sûr. Là, approchez, mes amis. Je vends tous mes articles à prix réduit. Je l'ai déjà vu, celui-là. Écartez-vous et tout de suite! Cette gare est vraiment... Mais je suis avec toi! Rattrapez-le! Mondo quiero. Il est... Ah, il est déjà... Moi, je suis ici pour m'amuser! Plus vite! Il est là! Bravo! Bravo! Dégagez! Ha! Hors de question! Ne soyez pas timide, approchez! Si, si! Bravo! Bravo! Ah. Thank you.
Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Non. Non, c'est ici. Je suis heureuse de faire votre connaissance, Messer Ezio. Annetta m'a dit beaucoup de bien de vous. Je comprends pourquoi. Vous êtes bien trop aimable, Madonna. Je t'en prie. Appelle-moi Paola. Je vous remercie d'accueillir ma famille, Paola. C'est le moins que je puisse faire. Tu dois être fatiguée. Tu ne veux pas... Non, grazie. Je dois partir. Quoi? Mais où vas-tu? Tu es Uberto Alberti. Je comprends très bien que tu veuilles te venger. Mais le Gonfaloniere est un homme puissant. Tu n'es pas un assassin, Ezio. Épargnez-moi vos discours. Mais tu pourrais le devenir. Et c'est vous qui allez m'apprendre à tuer, peut-être? Non. Mais par contre, je peux t'apprendre à survivre. Viens. Dans mon métier, la discrétion est primordiale. Nous devons nous déplacer librement dans les rues, vus sans être vus. Toi aussi, tu dois apprendre à passer inaperçu, à te mêler à la foule comme nous le faisons. Mes filles vont te montrer comment faire. Si tu manques de pratique, je suis là. Il a l'air bien sûr de lui. Il fait mieux de se tenir tranquille. Bizarre, il a l'air bien sûr de lui. Bene, tu as appris à passer inaperçu. Je vais te montrer que cela ne sert pas uniquement à se déplacer. Tu peux aussi dérober discrètement l'argent des passants. Au voleur ! Au voleur ! Une fois que tu as dérobé quelque chose, Ezio, ne t'attarde pas. Ça suffit!
Laissez-nous, les filles. Oh, c'est dommage. Si innocent. Il est mignon. Maintenant que tu sais comment t'approcher d'un ennemi, il ne nous reste plus qu'à te trouver une arme. Et que voulez-vous que j'utilise ? Ah, mais tu connais déjà la réponse. Hé, hey, la lame et le brassard de mon père. Comment les avez-vous eus ? J'ai appliqué les techniques que je t'ai enseignées. Je crains qu'il ne soit en mauvais état. Je suppose que tu as déjà rencontré Leonardo da Vinci. Si, mais en quoi un peintre pourrait-il m'aider ? Il est bien plus que ça. Apporte-lui ces objets, tu verras. Avant de partir, puis-je vous poser une question ? Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous apporté votre aide à moi, un inconnu ? Moi aussi, j'ai été trahi. De passer. Sois prudent. Tu pourrais être blessé. C'est parfait. Plus vite. Là, arrêtez-le. Bon sang. Je suis là, Raphaël. Me voilà. Abandonne, t'es plus maître de ton destin. Ça. Pour un qui arrive du sud, j'ai déjà vu. Il a perdu la raison. Petit malin. Meurs ! Voilà ! Comme ça ! Je suis là ! On ira loin ! Qui c'est celui-là ? Et deux trépieds ou plus, nous vous offrons une paire. Si bas que vous n'en croirez pas vos yeux. Venez voir. Oh, Ezio Auditore, je ne m'attendais vraiment pas à te revoir. Après tout ce qui s'est passé. Ah, j'en oublie les bonnes manières. Sois le bienvenu. Bien, dis-moi, que puis-je faire pour toi ? Est-ce que tu pourrais m'aider à réparer quelque chose ? Bien sûr. Viens, par ici. Quel désordre. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Je vais faire un peu de place. Très bien, voyons ça. C'est fascinant. C'est étrange, Ezio. C'est assez ancien. Et c'est pourtant très perfectionné. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Et j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire sans les dessins d'origine. Je suis désolé. Attends un peu. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tout ce qui figure sur cette page est codé. Mais si ma théorie est exacte, et si j'en crois ces dessins, il pourrait bien s'agir de... Il pourrait bien s'agir de quoi ? Assieds-toi. Leonardo, je... Remarquable.
Madone. Si on intervertit les lettres et qu'on n'en garde qu'une sur trois... Voilà, j'ai terminé. Hein? Terminé quoi? La lame. J'ai compris comment déchiffrer ton parchemin. Il contenait toutes les instructions. Bien, il ne me reste plus qu'à couper ton annulaire. Tu plaisantes? Désolé, mais tu ne pourras pas y échapper. Il faut s'assurer que l'engagement de celui qui manie la lame est bien réel. Ben, mais fais vite. Je te fais marcher, Ezio. Autrefois, un sacrifice était bien nécessaire, mais plus maintenant. Tu peux garder ton doigt. Incroyable. Oui, en effet. Dis-moi, tu as d'autres pages comme celle-ci ? Désolé, c'était la seule. Écoute, si par le plus grand des hasards, tu en trouvais une autre, alors apporte-la-moi. Je n'y manquerai pas. Et merci d'avoir réparé ça. C'est... Par ordre de la garde florentine, ouvrez cette porte ! Un petit instant. Reste ici. Êtes-vous Leonardo da Vinci ? Oui. Que puis-je faire pour vous ? J'ai quelques questions à vous poser. Très bien. Dites-moi ce qui vous amène. Un témoin a rapporté vous avoir vu conspirer avec un ennemi de notre cité. Quoi ? Moi ? Conspirer ? C'est grotesque. Quand avez-vous parlé à Ezio Auditore pour la dernière fois ? Qui ? Ne jouez pas au plus fin avec moi. Nous savons que vous étiez un proche de la famille. Je connais un moyen de vous rafraîchir la mémoire. Ah ! Vous allez parler ? Je dois continuer ? Ah ! Ah ! Vous en voulez encore ? Là-bas ! Grazie, Ezio. Je suis désolé. Ah, ce n'est pas la première fois qu'il me maltraite. Que fait-on du corps ? Mets-le à l'intérieur avec les autres. Les autres ? La ville me donne des corps pour mes recherches. Il ne s'est rien passé. Merci, Leonardo. Merci pour tout. Je t'en prie. Et n'oublie pas, si tu trouves d'autres exemplaires de ces pages, apporte-les-moi. Si elles contiennent de nouveaux dessins, je pourrais même améliorer ta lame. Promis. Maintenant, je dois retourner auprès de Paul. Présente-lui mes hommages. Je peux aussi vous proposer tout un tas de... Revenez nous voir. Je suis Canicchio, je sais... Venez, venez, ne soyez pas timide. D'où vient celui-là ? Naples ? Ne soyez pas timide, approchez ! Il s'est échappé d'un cirque ou quoi ? Je le connais, lui. Qu'est-ce qu'il cache derrière ce cadre ? Où est-il allé ? Bien, tu en as mis du temps. Leonardo adore parler. C'est bien vrai.
Mais vous n'avez pas fait que parler, j'espère. Je t'ai apporté le savoir-faire, Leonardo t'a apporté la lame. Il ne te reste plus qu'à agir. Où puis-je trouver Uberto ? Si j'en crois mes filles, il assistera à la présentation des œuvres de Verrocchio ce soir. Elles seront exposées au cloître de Santa Croce. Veillez bien sur ma mère et ma sœur pendant mon absence. Rassure-toi, Ezio. Ta famille est entre de bonnes mains. Épargnez-moi, j'ai rien fait! Un marchand ? Non. Mais d'où vient-il ? Il est sûrement à la solde d'un noble. Où est-ce que nous sommes déjà ? Nous en avons déjà parlé. Vous avez dépassé les bornes, Uberto. Vous ne manquez pas d'audace. C'est vous qui me faites la leçon ?